Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Sans transition, sans page de publicité, sans jingle, nous sommes en ligne avec notre ami le docteur Dov Maïmon qui est avec nous ce matin. Dov Maïmon, bonjour, Boker Tov. Que vous m'entendez. Voilà, là je vous entends, je vous entends, c'est Dov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, pour un éditorial à nouveau sur studioqualita.com, de quoi voulez-vous parler, nous parler en particulier ce matin ? Bah écoutez, je crois que je vais vous parler d'un... D'abord, je suis très contente avec vous, je vous écoute et je suis très contente de l'ampleur que prend cette radio qui permet de faire du lien social entre tous les francophones d'Israël, qui permet aussi de créer beaucoup de choses. Et là, ce que je vais vous parler ce matin, ce serait de la, un peu d'économie pour comparer un peu les performances de l'économie israélienne par rapport à l'économie de la France. D'abord pour penser à tous les gens qui ont fait le choix déjà de venir en Israël, qui s'inscrivent dans une économie qui est en pleine croissance et qui on va la comparer par rapport à la France pour voir quelques indicateurs, des indicateurs très simples de la Banque mondiale en général. Donc un premier indicateur, ça sera sur l'emploi. Donc faut voir que en France on avait en 2002 7,5% de chômage, on est passé à 10%. Donc ça continue, même si ça a un peu baissé ces derniers mois, le chômage continue et on est dans une sorte de récession. Alors qu'en Israël, à la même période en 2002, on était à du 8%, 9% de chômage et on est descendu à du 4,6, comme ça, 4,3. Hein. Donc on a au niveau du chômage en Israël, ça devient de plus en plus une économie où il n'y a pratiquement pas de chômage. C'est ce qu'on appelle le chômage structurel. Mmh. Inévitable, c'est les gens qui sont en train de changer des emplois. Donc on a quelque chose qui semble... Et c'est particulièrement encourageant pour les candidats à l'Alia lorsqu'ils arrivent dans un pays où le chômage est, on va dire, pas quasiment nul, mais très faible. Cela, c'est bien plus porteur que lorsque l'on reste, par exemple, dans un pays comme la France où le taux de chômage ne parvient pas vraiment à baisser. Voilà, exactement. Notamment, on sait qu'on a 100 000 techniciens et ingénieurs du RSS, d'anciens URSS qui sont arrivés dans les années 90, qui sont en train de partir à la retraite. On va manquer de 100 000 techniciens et ingénieurs dans les 10 ans qui viennent, c'est le rapport de l'OCDE. Et ça veut dire aussi pour nous que si on ne fait pas venir des nouveaux immigrants ou si on ne forme pas des populations à ces postes techniques, ben on va probablement, les sociétés israéliennes ont besoin de croissance et vont importer ici 100 000 Indiens ou Chinois. Donc on va avoir un problème qu'on connaît bien, nous les Français, pour savoir ce qui se passe quand on apporte des populations avec une autre culture, une autre identité. Donc c'est une... Et c'est pour ça qu'il y a des grands projets. J'ai la chance de faire partie de la commission gouvernementale qui s'occupe de la formation professionnelle et éducationnelle des ultra-orthodoxes. On fait passer énormément de concrets, en plus de programmes pour la formation technique dans le monde ultra-orthodoxe. Parce qu'on parle beaucoup, ils pourront étudier à mi-temps et en même temps pourront travailler et gagner très bien leur vie puisqu'ils ont les compétences et les capacités d'étudier. Comme chacun sait, ils peuvent aussi apprendre un peu de l'informatique ou de l'électronique, tout ça, c'est des choses que font très bien les ultra-orthodoxes. Ils le font de plus en plus, c'est-à-dire que il y a vraiment une tendance prononcée d'entrée sur le marché du travail, pas seulement des femmes orthodoxes qui sont déjà sur le marché du travail de manière très massive et qui elles aussi, si je ne m'abuse, suivent un processus de formation de haut niveau, pas seulement dans des professions qui sont liées, on va dire, au monde orthodoxe, mais qui sont aussi, ils reçoivent une formation aujourd'hui dans des domaines de haute technologie et différents secteurs. Ça, c'est aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de 50% des hommes orthodoxes qui sont dans le marché du travail en Israël, non ? Exactement, ça veut dire qu'on est dans une phase, en fait, on a une ouverture où Israël a besoin de gens extrêmement compétents et qui sont prêts à très très bien payer. Et d'un autre côté, on a une population, on a deux, trois populations en Israël qui sont problématiques au niveau de l'emploi, c'est les Bédouins, mais les former les Bédouins à l'informatique et travailler dans la high-tech, c'est très difficile, beaucoup plus difficile que quelqu'un qui a fait 20 ans de Talmud dans une yeshiva ou 15 ans de Talmud. Donc on a cette population et j'ai la chance, comme je vous disais, d'être dans cette commission. On investit chaque année 500 millions de shekels et on est passé en 6 ans de 400 haridim dans les universités à 11 000 et le plan quinquennal qui va être autorisé, validé au gouvernement très très bientôt, parle qu'on va arriver à 20 000 personnes. Je crois une véritable révolution de ces gens extrêmement compétents et qui évidemment veulent absolument rester dans le monde de la Torah
Et donc, c'est quelque chose qui va transformer Israël en une superpuissance à la fois de Torah et d'innovation, parce qu'on a des gens tout à coup qui ont en plus un regard neuf sur tous les problèmes, et ils apportent un regard avec les méthodologies du Talmud que personne n'a dans le monde. Ça nous donne un avantage concurrentiel. Alors, évident. Je crois, Dov, que vous nous avez donné envie d'en savoir un peu plus là-dessus, et peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Mais je voulais vous parler d'autres indicateurs. J'ai encore 4 indicateurs devant moi qui étaient incroyables. Nous aurons rajouté un seul indicateur, simplement. Un seul indicateur. Je vais parler de ce qu'on appelle l'index du terrorisme. Le Global Terrorism Index, GTI, c'est incroyable. Vous savez qu'en France aujourd'hui, on a un taux de risque de terrorisme plus fort en France et bien entendu en Angleterre, bien plus fort qu'en Israël. On est passé en Israël où on était à 7, c'est 7 pour 10 000 personnes, à moins de 5, à 5 personnes. Et en France, on est passé à 5,5 personnes, alors qu'on en était avant évidemment bien inférieur. Donc les situations se transforment, et même l'argument qui disait en Israël c'est plus dangereux, et ben même celui-là est en train de s'améliorer. Voilà, c'était pour une petite encouragement pour les gens qui sont là et qui galèrent tous les jours. Et ben je leur dis, écoutez, vous avez fait le bon choix pour vous et pour vos enfants. Alors vous nous avez vraiment donné envie d'en savoir plus sur chacun des sujets que vous avez développés, que vous avez effleurés, on va dire. Nous vous invitons à venir ici dans notre studio sur studioqualita.com pour développer chacun de ces sujets, en particulier, même particulièrement l'ouverture du monde orthodoxe au marché du travail en Israël, qui est un sujet particulièrement passionnant. Merci d'avoir été avec nous, pour nous avoir donné envie d'en savoir plus sur ces sujets importants qui font de l'État d'Israël, d'une certaine manière, cet État en pleine croissance économique et en plein développement que l'on connaît aujourd'hui. Merci Dov d'avoir été avec nous, et Boker Tov, Shavuot Tov. Shavuot Tov et bonne journée, bonne semaine à tous. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Vous allez retrouver tout de suite, dans quelques instants, Cathy Choukroun pour la suite de nos émissions sur studioqualita.com, avec comme d'habitude l'ensemble de ses chroniques. Israël, comment ça marche? J'aurai le plaisir de parler avec Cathy Choukroun des sites d'information israéliens. Dans cette émission, on parlera un peu plus de médias et de sites d'information israéliens. On essaiera de décrypter un peu ces sites d'information dont je vous parle, que je cite régulièrement dans les revues de la presse et des médias du matin. Et puis, ce sera le forum association avec, là aussi, nous en avons parlé avec Michael Ben Sadoun, mais nous en parlerons plus en détail avec l'une des responsables de Gvaïm. Nous parlerons donc des 10 ans et des célébrations ce soir, des 10 ans de Gvaïm, les 69 plus hautes personnalités qui ont bien mérité de l'État d'Israël. Nous parlerons aujourd'hui de l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. Dans les bons plans, nous parlerons de l'épopée de l'Exodus, puisque dans quelques jours, on va dire dans quelques semaines plus exactement, on célébrera le 70e anniversaire de cette épopée de l'Exodus, avec une projection du film et même donc un débat autour de cette épopée de l'Exodus. Ce sera au centre Monart à Ashdod, et ça sera organisé par l'association À dire. Voilà donc pour le programme des émissions de Cathy Choukroun. Tout de suite après cette heure d'actualité, je vous souhaite de passer une agréable journée. Shavuot Tov. C'était Daniel Haïk, ici en direct sur studioqualita.com.